après s'être occupé du cas de la Camaro GT3, on va passer à une autre américaine, cette fois-ci la Ford Mustang Génération 2015, la sixième en fait, qui est disponible également dans Assetto Corsa. Et nous tournons actuellement sur un des circuits du pack 88, donc qui reprend tous les tracés de la saison 88 de Formule 1. Donc nous sommes à Adelaide en Australie. Évidemment, vous aurez très bien reconnu ce tracé grâce à ces magnifiques sponsors, eh bien, on va dire de boissons alcoolisées. Avec modération toujours. Voilà, donc cette voiture est disponible, elle a été très discrète, j'ai pas encore vu beaucoup de vidéos sur cette voiture sur YouTube, donc voilà, c'est intéressant de vous parler de ce mode qui est assez assez spécial dans sa physique. Donc c'est vraiment une voiture de route, une voiture qui a beaucoup de grip, etc., qui est très lourde, donc elle fait quand même pas mal de poids, hein, cette Mustang. Donc c'est vrai que le transfert de masse est assez intéressant, le roulis que prend la voiture et tout, les réglages sont pas énormes, donc c'est très difficile de récupérer cette voiture. Vous voyez que là je pilote avec un petit peu d'aide, hein, donc vous voyez la différence. Mais c'est vrai que c'est difficile de tirer le maximum de cette voiture, il faut bien l'appréhender. Alors c'est quand même une voiture qui est disponible avec pas mal de modèles de moteurs. Le plus puissant c'est quand même un 5 litres 2, donc c'est une boîte 6 vitesses bien entendu, qui peut être soit manuelle soit automatique, hein, vous avez le choix entre les deux. Donc on n'a pas vraiment plus d'infos sur le mode, malheureusement ça manque un petit peu de précision. Mais en tout cas c'est vraiment sympa. Dans les routières, c'est une des plus sympas que j'ai pu essayer sur Assetto Corsa. Donc je vous conseille de vous rendre donc dans la section téléchargement du site qui est dans la description pour vous munir très vite de cette Ford Mustang. Voilà, vous connaissez la règle, je vous demande de monter le son et de profiter un maximum de ces très peu nombreux mais très intéressants tours du circuit d'Adelaide. Salut les amis.